Bonjour à tous. Comme d'habitude, nous allons attendre une petite minute avant de commencer. Et ensuite, quand tout le monde sera là, on pourra commencer. Alors, bonjour Sin Situ, bonjour KL, bonjour Malena, bonjour Emilia, bonjour Victoria, bonjour Maris, bonjour Bickert, bonjour Alexandra, bonjour Abir, bonjour Christine. Christine est une membre, yeah, merci Christine. Bonjour Batoul. Bonjour Beryla71 et bonjour à Dick Etzering. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez peut-être un café ou quelque chose pour être relaxé. On va commencer le cours. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de dictées. Je tiens juste à vous préciser que dans la première partie, il y aura des dictées de phrases ou de mots. Donc, Tia, bonjour, et Diego, bonjour, save the best, et là aussi, avec une belle fleur, waouh. Eva est là aussi, allez, on attaque. Comme d'habitude, on commence avec une première question pour démarrer. Enfin, c'est pas vraiment une question, essayez de m'écrire une phrase avec « j'écoute toujours les conseils de », donc quelqu'un, parce que, donc essayez de m'écrire une phrase, mettez la phrase dans le chat et puis nous ferons les corrections ensemble. Et nous dit bonjour d'Allemagne, bonjour, et Sophia nous rejoint aussi, bonjour Sophia. Allez, on attaque, la première phrase s'il vous plaît, je vous attends. Alors, en attendant vos phrases, bonjour Soman, Soman Tashi nous a rejoint, Rogelio est là, Yichi est là, Yulia est là, The Learner est là, I Just Called qui est très poli, qui dit bonjour à tout le monde, et Tanaz est là. S'il vous plaît, continuez cette phrase et complétez cette phrase. We'll be right back.
Alors, Ice Cubes est là. Bonjour Ice Cubes, j'espère que vous allez bien. Malena est la première à nous écrire. J'écoute toujours les conseils de ma mère parce qu'elle me connaît très bien et veut le meilleur pour moi. Magnifiquement écrit, il n'y a pas d'erreur. Bravo. Yulia qui dit j'écoute toujours les conseils de mon intuition. Faites attention, Yulia, souvenez-vous, intuition c'est féminin. Mais comme ça commence avec une voyelle, on va utiliser les possessifs masculins. Mon intuition, parce qu'elle est la seule source de la vérité. Wow. The Learner, j'écoute toujours les conseils de mes amis parce qu'ils ont toujours raison. Magnifiquement écrit. S'in-situ, j'écoute toujours les conseils de Monsieur Vincent. Il faut pas. Parce que je veux apprendre le français trop vite. Si c'est pour apprendre le français, ça va. Pour le reste, il faut pas m'écouter. Christine nous dit, j'écoute toujours les conseils du professeur parce que je veux apprendre. C'est bien. Faites attention, Christine, mettez de le. Ça se transforme en du. Donc les conseils du professeur. Alors attendez, je vais remonter un petit peu. KL qui nous dit, j'écoute toujours les conseils de ma femme parce qu'elle sait. Ouais, elle sait toujours. Mettez le toujours après le verbe savoir, hein, parce que toujours c'est un adverbe. Et un adverbe, ben, ça arrive après le verbe. Hein. Adverbe, c'est après le verbe. Ensuite, c'était Victoria. J'écoute toujours les conseils sur le confinement parce que je dois savoir les nouvelles mesures. Victoria utilisait plutôt connaître. Je dois connaître les nouvelles mesures. Hein. On a discuté de savoir et de connaître. C'est un long sujet de discussion. Bickert qui dit, j'écoute toujours les conseils. Faites attention, Bickert. Quand on écrit conseil, on écrit juste CONSEILS. OK? Parce que sinon, c'est la forme du verbe que vous avez écrit. Attention. Donc, de besoin de mes parents parce qu'ils, le QUE, le E disparaît, vous mettez l'apostrophe. Parce qu'ils ont plus. Ouais, faites attention pour le verbe vivre. Le verbe vivre, quand on le met au passé composé, et là vous voulez utiliser le passé composé, ils ont, donc c'est le verbe avoir, comme vous avez mis, et le participe passé c'est vécu. D'accord? VE accent aigu, CU. Ils ont vécu. Emilia nous dit, j'écoute toujours les conseils de mes parents. Parce qu'ils sont intelligents. Eh bien, ça, c'est très très bien, Emilia. Alexandra nous dit, j'écoute toujours, attention Alexandra, toujours avec un S à la fin, les conseils de ma maman. Maman, c'est avec un N à la fin. M-A-M-A-N. Parce qu'elle, Q-U apostrophe, parce qu'elle sait mieux. Berilla71 nous dit, j'écoute toujours les conseils de ma mère, parce qu'elle, QU apostrophe, a généralement raison. Ashley qui nous rejoint, bonjour, j'écoute toujours les conseils de ma petite amie, parce qu'il vaut mieux accepter le conseil que de... Que de se disputer. Ouais, se disputer, HTC, c'est partagé. Voilà, et c'est vrai. Diego nous dit, j'écoute toujours les conseils de ma sœur, car elle me connaît très bien et j'ai confiance en elle. Parfaitement écrit, Diego. Yichi, j'écoute toujours les conseils de mes parents parce qu'ils se soucient de moi. Très bien écrit. Tia, j'écoute toujours les conseils, faites attention Tia, les LES, il n'y a pas de A, de mes parents parce qu'ils, souvenez-vous Tia, QU apostrophe, parce qu'ils me connaissent mieux, c'est bien. Ice Cube, j'écoute quelquefois les conseils des autres. Ouais, alors dans ce cas-là, vous mettez tout au pluriel, hein. Les autres gens, bon, on utilise plutôt les autres personnes. Pluvieux, parce qu'ils, ouais, parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils, QU apostrophe ILS, sont utiles au pluriel.
I Just Called qui dit j'écoute toujours les conseils de moi. Oui. Alors, faites attention, dans ce cas-là, vous mettez le possessif, j'écoute toujours mes conseils, parce que personne ne sait ce qui, attention, sujet, ce qui, Q-U-I, est bon pour moi, sauf moi. Très bien. Beaker, t'as compris. J'écoute toujours les conseils de mon père parce qu'il est un homme très intelligent. C'est très bien. Tanaz nous dit, j'écoute toujours les conseils de ma prof parce qu'elle m'apprend le français. Ben, très très bien. Abir, j'écoute toujours les conseils de ma sœur parce que j'ai confiance en elle. Très bien aussi. Alors Ashley, pas de problème. Bonjour Ashley, vous inquiétez pas. Ensuite, Diego nous dit, j'écoute les conseils des personnes âgées. Très bien. Bravo Diego, âgé, féminin pluriel, c'est parfait. Car elles ont plus d'expérience. Très bien écrit. Batoul, j'écoute toujours les conseils de mon professeur parce qu'il étudie très bien le français. Alors faites attention Batoul. Étudier, c'est vous. Vous étudiez le français, d'accord ? Et puis le professeur ou l'enseignant, il va enseigner le français. Ce serait le verbe. Méron nous rejoint. Bonjour Méron, on espère que vous allez bien. Bon, on va attaquer maintenant, vous le saviez, et je vous l'ai dit. Attendez, si ça marche, et bien sûr, ça devrait marcher. Les dictées, j'espère que vous êtes prêts. Alors, les dictées, comme d'habitude, on va avoir des phrases. Là, je vais prendre des phrases qui sont des phrases assez courtes. Et donc, je vais les lire deux fois. Et vous allez les écrire. Et nous verrons si vous avez la forme correcte. D'accord ? Donc, logiquement, hop là, si ça marche comme ça a marché avant, on y va. Première lecture. L'union fait la force. Deuxième lecture. L'union fait la force. Écrivez ce que vous avez entendu. Alors, Michel nous a rejoint. Bonjour Michel. Il faut prendre une boisson chaude. Vous prenez un café ou quelque chose pour garder les yeux ouverts. Alors, je regarde jusqu'à maintenant. Alors, attendez, on va faire comme on a fait avant. Donc, je vous donne ici, regardez, la forme correcte. Apparemment, Joseph. Bonjour Joseph. Tout le monde a à peu près trouvé. Christine, faites attention, c'était l'union. Hein, regardez, l'union fait la force. On est d'accord que vous devez mettre l'apostrophe. Je pense que c'était à peu près clair. Berilla, vous avez dit union. Alors, union n'existe pas encore, mais c'est union. Union, c'est féminin, hein, une union, mais donc le A doit disparaître. Et on met l'apostrophe. L'union fait la force. Ben écoutez, apparemment tout va bien. C'était le verbe faire. La force, tout le monde l'a écrit correctement. Bon, ben c'est formidable. Attention, attention.
Nous continuons de lecture, comme d'habitude. Numéro 1. La pensée est libre. Numéro 2. La pensée est libre. Allez-y. Alors, sur une musique un peu angoissante, hein, mais c'est une musique de dictée, vous l'aurez remarqué. Attendez, je vais essayer de le faire correctement, là. Voilà. Regardez, ici, la difficulté, c'était de se souvenir comment on écrit « penser ». Alors, je regarde. Donc, « penser », c'est avec un « e hein, », la nasale, c'est « p-e-n ». Donc, vous avez les accents. Si vous avez les accents, c'est bien. Si vous n'avez pas les accents, souvenez-vous que nous avons un accent sur le premier E. Et surtout, qu'il y a un deuxième E qui devrait être là. Le verbe, c'est penser. Hein, P-E-N-S-E-R. Mais donc, le substantif, ici, c'est penser avec un E en plus. Julia qui dit c'est le matin de la philosophie à maman. Mais oui, je me suis dit que hier on a fait Paris, donc aujourd'hui on va faire des citations. Et oui, c'est la philosophie avec une tasse de café. Alors, je regarde, donc à peu près tout va bien. Faites attention, justement, Julia, philosophie c'est pas Y, ça c'est dans d'autres langues, en français c'est IE. Alors attention, parce qu'on peut faire de la grammaire avec ces citations aussi. Numéro 1. Le temps n'attend pas. Deuxième lecture. Le temps n'attend pas. Allez, écrivez ce que vous avez entendu. Alors, je commence à regarder ce que vous m'avez mis. Alors, Julia, justement, faites attention parce que c'était pas vraiment le bon verbe que vous me proposez ici. Vous me proposez « entendre » et c'était un autre verbe, c'était le verbe « attendre ». Alors, attendez, je vais vous le copier ici, comme ça, ce sera probablement plus facile de corriger. Donc, le temps, ça... Je regarde, c'est à peu près clair pour tout le monde. Ashley, faites attention, il y a un S à la fin de temps, hein, on ne le prononce pas, mais on ne prononce pas le P non plus, donc ça doit être là. Marius, faites attention, hein, c'est vraiment, c'est pas un E à la fin de temps, mais c'est vraiment un S qui est totalement muet. Diego, pareil, un S. K-L aussi un S. Bon, c'est pas très grave hein, s'il n'y a pas le S. Ensuite, on a le verbe. Donc, le verbe, c'est attendre.
Et quand vous le conjuguez ici, donc troisième personne, ça va être juste avec un D à la fin. Donc le temps n'attend pas. Je regarde si tout le monde l'avait. Oui, c'était bien, c'était bien. Personne n'a mis. Ah, Malena, faites attention. Malena, vous avez mis le S à la fin de attends. Alors souvenez-vous, hein, Malena, S, c'est pour je et pour tu. Hein. J'attends S. Tu attends S. Il, elle attend D. Donc là, c'était juste le D. Très bien, bah, écoutez, c'est pas mal. Alors, apparemment, Julia, elle a envie de faire de la philosophie. C'est bien aussi. Alors, attendez. Ouais, tiens, je vais vous la mettre celle-là. Grammaticalement, c'est intéressant. On y va. Numéro 1. Ce qui doit être sera. Je répète. Numéro 2. Ce qui doit être sera. Je répète numéro 3. Ce qui doit être sera. Allez, écrivez-moi ce que vous avez entendu. Alors, Christine nous dit qu'elle a un problème d'internet, mais ne vous inquiétez pas, Christine, il y en aura d'autres. Regardons ce que vous avez proposé. Donc, ce qui, je pense que tout le monde l'avait trouvé. Alors, Ashley qui dit que son Wi-Fi se déconnecte. Tout le monde a des problèmes techniques. Pour une fois, moi, j'ai pas de problème technique. Je touche du bois. Alors, ce qui, c'était bien. Ensuite, on avait le verbe. Tout le monde a un problème. Ou est-ce que c'est moi qui ai un problème? Non! C'est peut-être moi. Moi, j'ai pas de problème en tout cas. Le verbe, c'est devoir. Devoir, alors regardons. Regardons devoir, vous le conjuguez et la forme c'est doit. La connexion, ah ben c'est peut-être moi alors, il va falloir que. Il va. Maybe. Oh, ok. Regardez, je vais vous mettre. On va mettre les câbles. Je vais vous mettre ça comme musique et donnez-moi une seconde.
Alors, on a mis le câble maintenant, donc logiquement, s'il y avait un problème avec le Wi-Fi, ça devrait être réglé. Donc, regardons ce que vous m'avez écrit. Ce qui doit être sera. Donc, la difficulté, ouais, c'était le verbe devoir. Donc, ça, c'était la première chose bien conjuguée. Non, j'ai pas appuyé sur le mauvais bouton. J'ai mis un câble, Ashley. C'est fini le Wi-Fi. Ensuite, la dernière chose qui était un petit peu problématique, c'était sera. Et je regarde, je regarde. Non. Alors donc, c'était le verbe être. Nous sommes d'accord. Au futur. Et je vois que. Ah oui, faites attention, Marius. Marius, vous avez mis serait. Donc ça devrait être sera. Sera, c'est le futur, hein. Serait, c'est le conditionnel. Faites attention. Sinon, le reste, c'était bien. Bicut, faites attention. Ce qui doit être sera, il n'y a pas de S à sera, parce qu'en fait, c'est la troisième. La troisième personne. Ah non, ça peut pas être pire. C'est pas possible. Moi, ma connexion est bonne. Vous me stressez, hein? Là, je commence à avoir des doutes maintenant, mais je crois qu'Ashley essaye de jouer avec mes nerfs. Alors, regardons la phrase suivante. Et la phrase suivante, elle est pas mal. Alors, attention, première lecture. Le bonheur rend aveugle. Deuxième lecture. Le bonheur rend aveugle. Allez-y. Alors, regardons, regardons. Donc, je vais vous copier ce que j'avais. Et c'est ici, le bonheur rend aveugle. Ce qui est assez intéressant ici, en fait, c'est que, bon, vous avez le verbe rendre, apparemment. Apparemment, tout est bon. Faites attention à Ice Cubes, le bonheur, donc c'est un seul mot, hein. Mais vous avez heure, c'est intéressant dans votre mot bonheur. Phonétiquement, Ice Cube, c'est bon. Tia, phonétiquement, c'est bon aussi. Judith, le bonheur, vous l'avez. Vous n'avez pas le verbe, vous n'avez pas le reste. Alors attendez, je regarde. I just called. Oui, regardez, le bonheur, on écrit en un seul mot et pas de E à la fin. Alors. Ashley, c'est pareil, c'était pas clair. Julia qui nous dit que c'est la même chose, le bonheur, et vous n'avez pas. Eh bien écoutez, apparemment, qui a la. Alors, Christine non plus. Je crois que Michel est le seul. Non, Michel là. Sin-situ là. Joseph a proposé une version très très artistique quand même. Le bonheur, c'était bien, mais après, ça devient intéressant. Tia, presque. Donc, et ouais, c'est tout.
Si, 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 Bickert, vous l'avez. Le bonheur rend aveugle, c'est bien. Ensuite, Berylla, vous l'avez. Oui. Thanase, vous l'avez, pas de problème. Bon, bah écoutez, Yitchi, vous l'avez. KL, c'est bien. Batoul, c'est bien. Diego, c'est bien aussi. Et Alexandra, c'est presque correct, c'est juste le mot bonheur, vous voyez. Bonheur n'est pas bien écrit. Très bien, alors maintenant je commence à avoir des problèmes. Manisha, c'est bon. Ok, alors attention, attention, j'en cherche une autre. Je vais essayer. Oui, ça c'est pas mal peut-être. Oui. C'est un petit peu dans le même genre, c'est-à-dire que là, ça va être intéressant, on va voir, regardez. Numéro 1. Qui a bu, boira. Numéro 2. Qui a bu, boira. Allez-y. Alors ici, bah écoutez, là, on commence avec le qui, hein, et après on a finalement un passé composé, le passé composé du verbe boire, qui a bu. Et après ça, on a la forme future du verbe boire aussi, donc qui est boira. Qui a bu, boira. Alors je regarde vos réponses. Tia, qui a bu boire? Il manque la forme future. Berilla, c'était bon. Yitchi, c'est bon. Batoul, c'est bon. Manisha, qui a. Faites attention, Manisha, c'était qui a bu. Manisha, d'accord? Thanase, qui a bu boira? Oui, pas de problème. Malena, c'est bien. Michel, c'est bien aussi. Alexandra, c'est bien. Méron, faites attention, c'est un futur. Hein. C'est pas boire, mais c'est boira. Christine, c'est la même chose. Hein. C'est pas l'infinitif, c'est pas boire, mais c'est boira. Victoria pensait que c'était qui a vu. Alors faites attention, Victoria, c'était qui a bu. Bababababa. Qui a bu boira? Très bien. Ice Cubes, faites attention, c'est le futur. Hein. Qui a bu boira? Sinon, Julia qui donne la traduction. Qui a bu boira? D'accord, très bien, vous l'avez écrit aussi. Bon, bah, écoutez, jusqu'à maintenant, ça a l'air d'être bien. Pas de problème. Nous continuons avec une autre situation. Situation, citation. Ah oui, c'est pas mal ça. Allez, on y va. Numéro 1. Savoir, c'est se souvenir. Numéro 2.
Savoir, c'est se souvenir. Alors, Ashley qui dit, les Français disent les trucs bizarres. Mais non! Alors, apparemment, il y a des problèmes de connexion. Alors, attendez, 15 secondes. Oh, pas d'internet. Écoutez, dans ce cas-là, on va essayer de continuer. Et puis, si ça fonctionne pas, j'arrêterai le cours. Je connecterai plus solidement les choses et puis nous referons un autre cours. Yulia pense que c'est Covid qui a contaminé l'internet aussi, c'est possible. Alors, est-ce que vous avez entendu cette phrase? Qui a bu? Pardon, non, c'est pas qui a bu boire. C'était pas qui a bu boire, ah, c'était savoir, c'est ce souvenir. Savoir, c'est se souvenir. Personne n'entend. Bon, alors, ce que je vous propose, ok, on va faire une pause. Ce qu'on va faire, je vais essayer de connecter. Je ne monte pas de vidéo, ne vous inquiétez pas. Regardez. Allez, on va faire une pause. 5 minutes. Et si tout va bien, je serai de retour. À tout à l'heure.